Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Aujourd'hui, je vais continuer un peu avec la vidéo de la semaine dernière. Ça sera pas trois savons, mais ça va être un des savons d'une des compagnies que je vous ai présenté la semaine dernière. Le savon que je vais vous présenter, c'est le Kelso de la compagnie Murphy McNeil, compagnie des États-Unis. Okay, on va en parler un petit peu plus tard. Le rasoir que je vais utiliser mon Mercure 38C. À l'intérieur, j'ai une lame Voskhod toute neuve. Okay, premier usage. La brosse, je vais utiliser ma Spifo Badger 2 Band. Ça fait que, avant qu'on commence à se raser, je vais aller me rincer la figure, puis je vais revenir avec le savon. OK? Attendez-moi. Bon, OK. Le savon. Premièrement, OK, ça, c'est des savons que j'ai pas achetés, ils m'ont été offerts. OK? C'était des savons vraiment à l'essai, là. Ça fait que j'ai pas payé pour. Mais, Murphy McNeil, quand il me les a fait parvenir, il m'en a envoyé 4. Il y avait lui, Kelso, il y avait l'Arbre de la vie, j'avais Trinité, puis le dernier, je me souviens pas du nom. La plupart des noms sont basés sur l'imagerie sur les paquets, ensuite imagerie et les noms, c'est vraiment là, des noms celtiques. Ici, Kelso, okay, vient dans des. C'est 0.5 onces. Vous pouvez les acheter sous ce format-là aussi, OK? 0.5 onces, dans un petit paquet de plastique comme ça. Ils vendent aussi, OK, naturellement en pot, là, pas de problème. Le seul problème que j'ai avec ça ici, c'est que le savon n'a pas le temps de sécher dans ces petits poches-là. Ça donne, dingue, un savon qui est quasiment une crème. C'est vraiment très mou. J'ai parlé à des gens qui l'ont en pot. Il est plus dur en peau. Fait que ce que je vais faire, là, on va rien que... Je veux pas jeter ça. Je vais en appliquer un petit peu en figure. OK, ça reste quand même dur un peu, là, mais... Hein? Attends un peu. Faut que je me rince les mains, là. C'est glissant. OK. Fait que voici la brosse, mettre un peu d'eau dedans. Puis ce que je vais faire, juste pour être certain, que j'ai sorti ce qu'il y avait dans le paquet, puis je l'ai tout écrasé dans un bol. Ce que je vais faire, un petit peu d'eau, tout petit peu. On va rien faire un chargement vite fait, là, j'en ai déjà en figure. Hey. C'est ça qui reste, ça, c'est dur à voir, le pot est jaune, là. Tiens, la brosse, comme ça. Je pense que un 20 secondes de chargement, là, ça serait suffisant. OK. Première application à figure. Bon, la senteur... C'est dur d'évaluer la senteur dans le pot parce que ben j'ai pas de pot vraiment. La senteur est probablement un 5 ou un 6. Non, on va aller avec un 6. Les senteurs sont pas super fortes. Les notes. Kale Shaving Soap, bergamote, ambroxan, géranium, lavande, vetiver, puis patchouli. C'est un floral. Puis, actuellement, là, il me rappelle beaucoup Dracor Noir. Sans être exactement pareil comme Dracor Noir, là, il y a un...
Il y a une ressemblance. Et le savon. C'est pas un savon qui est super assoiffé, mais il prend bien l'eau. Regardez, il fait une belle mousse là. Belle mousse à pèse. Vous pouvez obtenir beaucoup de volume avec si vous voulez. Très luisante. Il en reste quand même beaucoup dans la brosse. Première passe dans le sens du poil. Ouais, Murphy McNeil, ils ont commencé à produire le savon. Un tout petit peu au mois de novembre, là, vers la fin du mois de novembre, un petit peu avant Noël. Moi, je les ai reçus justement juste avant Noël. L'artisan, c'est un artisan de Flower Mound au Texas. Je vais mettre son site web en bas, dans la description. Il y a deux parties à son site web. Il vend ses propres produits, okay, comme il y a les savons, il y a des baumes ainsi que des splashes. La deuxième partie, c'est il vend des savons. Des savons usagés. Fait que ça peut être intéressant d'aller faire un tour sur son site web et aller voir. Vous pouvez ramasser. J'aime beaucoup les échantillons. Okay? J'aime beaucoup cette idée-là. Vous pouvez prendre. Je pense qu'il y a il y a 10 ou 12 savons sous sa gamme. Fait que vous pouvez là puis choisir. 10 ou 12. Vous pouvez prendre toutes les. Voyons, les échantillons, puis essayer le senteur avant vraiment d'acheter. Si vous pouvez regarder dans la section des savons usagés, puis trouver de quoi qui vous tente aussi en même temps. Donc, fin de la première passe. OK, rasage, pas de problème. Si je me mouille les doigts, là, il y a plein de glisse qui reste en arrière. C'est bien. Oh, en passant. J'avais oublié de dire, c'est un savon à base de suif. Okay? Ce sont des savons, ces savons sont à base de suif. Ça fait que, ce que je vais faire, même reste à figure, je vais revenir pour la passe numéro 2. OK? Attendez-moi. OK. Hein? On est de retour. C'est ce qu'il y a dans ma brosse. Murphy McNeil sont super présents sur Instagram si vous allez sur Instagram, publiez. Vous abonnez, vous allez voir, ils mettent souvent des photos. OK. Deuxième passe. Contre le sens du poil. Là, présentement, la senteur, là. Ça me donne un peu. Ça me fait penser un petit peu à un barbershop, mais.
Et vous savez, les crèmes en bombe, là. Sans être exactement ça, c'est un peu à ça que ça me fait penser. Le savon glisse très très bien. Aussi, il offre une très belle protection. Okay? De ce côté-là, absolument aucun problème. Là, le savon était beaucoup plus humide ce coup-là, puis la glisse secondaire, là, très très belle. J'ai parlé à Belle quelques fois là, au travers de massages, puis son intention là, c'est de créer une compagnie. C'est d'être un artisan qui produit des savons, mais pas essayer de créer de. Vous avez ça souvent des artisans, là, ils sortent un savon, là, puis le savon est parti en dedans de 10 minutes, ou c'est toutes des éditions limitées. Son intention, c'est vraiment là, de créer une ligne de savon, puis de tout le temps les garder. Je sais que pour vous autres, ça ne sera pas intéressant, là, mais aux États-Unis, il veut offrir aussi free shipping aux États-Unis. Fait que vous voyez que le gars est quand même assez intéressé à vraiment là, développer une compagnie, puis customer service, ça, c'est vraiment important pour lui. Ensuite, vous pouvez lui parler, si vous lui parlez sur Instagram. Moi, personnellement, de temps en temps, quand j'essaye ce savon, je sais que j'ai envoyé des courriels, là, puis il était super, il répondait très très vite. Ok, fait que ça, c'est fin de la deuxième passe. Beau rasage. J'aime beaucoup. J'aime la senteur. Le fait que ça soit pas super fort, là. Il y a des gens pour qui, là, la senteur d'un savon, faut pas que ça soit trop fort. Ça, c'est une très belle senteur. Celle-là, là, elle est belle, elle est douce. Puis, c'est quand même assez masculin. Pour un floral. Ça fait que, on va essentiel la figure. On vient pour la passe numéro 3. OK? Donne-moi une seconde. OK, bon, troisième application. Là, la figure est super mouillée. Ouais. On va y donner de l'eau en masse. Même s'il reste plus une tonne de savon dans ma brosse là, puis ma face est très mouillée, le savon, je pense que dans la caméra là, ce coup-là, le savon peut paraître peut-être un peu plus épais que c'est en réalité, un tout petit peu. Mais c'est pas grave parce que il est vraiment glissant, puis j'aime ça que ça glisse dans ma troisième passe-temps. Mais regardez, là, il y a manière de travailler l'eau dans le savon. On va sauver tout ça. Mais il en reste quand même un peu. Je suis certain que si je sortais ma brosse, là, je serais capable encore de peut-être m'en donner un quatrième rasage, ou au moins pour des retouches. Ok, troisième passe, contre le sens du poil. Rasage vraiment confortable.
Puis je peux faire des retouches de même là, sans avoir de savon là, puis absolument aucun problème, la glisse est là. Pour ceux qui sont habitués au savon américain, là, vous avez probablement le même genre de qualité que Sterling. Sans dire que c'est exactement la même chose, là, c'est. Très très bien le rosage. Ça va très très bien. Ça complète le rosage, ou la partie rosage en tout cas. Fait que très très bien. Puis pour avoir utilisé le rosage toute la semaine, okay, je sais que la sensation après rosage là, est bien. C'est pas un savon qui est super hydratant, mais il dessèche pas ma peau non plus. Ça fait que c'est vraiment neutre comme hydratation. Ce que j'aime. Puis si j'ai besoin d'hydratation, on en rajoute après. Ça fait que ce que je vais faire, là, je vais aller me rincer la figure, nettoyer ma salle de bain. Puis je vous reviens pour la conclusion, OK? Attendez-moi. OK. Pas de problème. Très, très beau rosage. C'est de très, très près. Le 38C avec une lame Voskhod, là, c'est. C'est pas extrêmement efficace, là, mais ça rase de près, puis ça donne un beau rosage confortable. Puis le savon, ben, j'ai absolument rien à redire. C'est vraiment. Il est très bien performé. C'est un savon, c'est du solide, là. Ça donne une belle mousse, facile à mousser, belle mousse. L'eau, c'est. Il faut travailler un petit peu l'eau, par exemple, pour que l'eau s'incorpore bien, là, mais ça donne, vous avez vu, une très belle mousse avec assez de volume. Le coussinage est parfait. La glisse, excellente. La glisse qui reste après, c'est beau. Puis la figure est pas desséchée. Fait bravo à Murphy McNeil pour le produit. Pour compléter le rosage, on va aller avec un après-rosage Fines. Le Clean Vetiver, la senteur. C'est beau. C'est chaud parce que là, de ce temps-ci, là, dans les moins 24, là, ensuite, présentement, là, aucune sensation de brûlure en figure. Le rosage, là, était très bien. On sent un petit peu le menthol, là. Malheureusement, ben, toutes mes après-rosages ont du menthol. Puis comme je l'ai dit, dans les moins 24, là, ça marche pas. Fait froid, faut protéger notre peau. Fait qu'aujourd'hui, je vais rajouter un baume. Je vais utiliser le Monsieur Barbier. Son après-rosage anti-âge, là. Malheureusement, l'anti-âge, là, un tube de même, là, c'est pas assez, j'en ai besoin. Hein. J'en ai besoin d'un litre ou deux. Là. Quand vous appliquez du baume, essayez de donner le temps à l'alcool de s'évaporer de votre figure.
comme ça, ça va donner une chance aux bombes de bien rentrer dans la peau. Ça fait que ça complète le rasage aujourd'hui. Rasage aujourd'hui, j'ai utilisé le savon Kells Shaving Soap de la compagnie Murphy McNeil du Texas aux États-Unis. Le rasoir Mercure, le Mercure 38C avec une lame Boschka, c'était le premier usage. Hein? Et ma brosse Spifo Dark Ruby Two Band Badger. Excellent. Non, Best Badger. Je ne me souviens plus. Puis l'après-rasage, fine. Donner un petit coup de chaleur là, dans la froideur de l'hiver. Avec tout ça, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite très belle semaine, plein de beaux rasages, puis j'espère vous voir en fin de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de rasage. Avec tout ça, guys, passez une belle semaine. On se revoit plus tard. Puis, je ne vous pas les couilles dehors. OK? Bye-bye!